beau gosse. Par contre, j'ai ma 3 qui claque, c'est vraiment trop horrible. Le bruit de son bébé, oh là 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 là. En plus ça a filmé, tellement content. J'ai gagné ma journée. Ça c'était cadeau. Oh là là, les mecs, comment ils font pour pas avoir froid? S'il te plaît, je suis déjà en cuir, j'ai froid moi. Comment ils font pour rouler sans, sans équipement quoi? Franchement, si sur cette chaîne il y a des mecs en scooter ou en moto qui s'équipent pas, hein, ça peut arriver. Dites-moi comment vous faites pour pas avoir froid, sérieux. Moi je peux pas, frère. C'est impossible. Oh là là là, mais si tout le monde fait ça, bon, mais merci tous, hein. Plutôt que vous faire une vidéo totalement débriefing de mon permis moto, je vais vous en parler vite fait dans cette vidéo. Si ça est un peu long, vous pouvez passer, je vous mettrai un petit i-code. What the hell. Pour vous dire un peu où j'en suis en fait dans mon permis, pour vous donner un ordre d'idée, donc j'ai tranquillement expérimenté le plateau lent de ce que je me rappelais, et tout simplement j'ai réussi à rattraper tout mon petit retard que j'avais pu prendre sur la moto, donc voilà, j'ai bien repris la main. Pour vous donner une autre idée, je fais 24 secondes sur la première partie du parcours où il faut en faire minimum 20, donc c'est une bonne chose. What the fuck. Pour ce qui est du parcours rapide, alors j'arrive quasiment bien, on va dire. Allô? Ah, j'ai entendu un bip, je crois que j'ai perdu une barre de batterie. J'y arrive plutôt bien, on va dire. Puisque les amis, je suis parfait pour le freinage d'urgence. Par contre, pour ce qui est de l'évitement, je te shoot les plots. Chute les plots, mon gars, mais laisse tomber. En fait, j'y arrive une fois sur deux, en fait, c'est kiff kiff brico. Oh la Maserati. Oh là 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 là, tellement chaud ce son. Alors, c'est pas une fois sur deux qu'il faudra que j'arrive le jour du permis, mais bien une fois sur une. Maserati, écoutez-moi ça, écoutez-moi ce bruit. Oh là 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 là, j'espère que mon pot n'a pas caché. Oh là 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 là. Comment il se fait plaisir le salaud. Oh le bâtard, comment il se fait plaisir. What the hell, mon gars.
sais, c'est en voyant les scooters, la pizza, que je viens de me dire, t'imagines si tu pouvais te faire livrer tes pizzas par une R1. Ah le bordel, l'interfile mon gars, ça serait un bordel monstre. C'est les suspensions qui vont prendre très cher, on va prendre cher. Paris-Dakar mon gars. Regarde-moi ça, le mec il a voulu niquer la file d'attente, mais méchamment finalement il se retrouve. Il se retrouve derrière. J'ai calé. Putain miskin comme une merde, j'ai calé. Regarde-moi ça. Oup là, comme ça je te grille de place. Oh là là les gens. Mais les gens. Merde, c'est là que je devais tourner. Oh les clignotants, sérieusement, t'en as mis un sur deux quoi. Oh la vache. Mais... le mec il est baisé quoi, il tourne son bras. Alors là je sais pas si ça va vraiment bien se voir à la caméra. Mais vraiment le gars, genre il a tourné son bras tu vois. Mon vieux ça m'est pas passé loin. Pourquoi il bip bip lui? Ça c'est con qu'il n'y ait pas un système de commodo, tu sais, qui reviennent comme sur les bagnoles. Enfin, en même temps ça serait un peu compliqué en moto. Mais t'imagines, pour ceux qui sont comme moi, qui oublient tout le temps leur clignotant, pas de le mettre, hein, mais de l'enlever. Je sais pas si vous êtes au courant, des amis, mais vous savez que pour ce genre de petits trucs, vous êtes obligé d'avoir une assurance. Et en fait, vous allez me dire, c'est peut-être débile ce que je vais dire, hein, mais si en fait, c'est vrai. Genre, parce qu'une fois, je suis allé à ma banque et il y avait un dépliant comme ça. Il disait que pour avoir ce genre de truc, enfin, pour avoir le droit d'utiliser ce genre de truc sur la voie publique, tu dois avoir une assurance. C'est vrai, mais c'est bizarre en fait. Parce que c'est un tout petit moteur, t'es obligé d'avoir une assurance. Attention mon frère, tu vas entendre un truc de fou. Bike porn. Pure sound. Bye. Le motard à l'heure. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va foutre la visière tentée mon gars, parce que je vois absolument que dalle. On a retrouvé le Tour de France. C'est donc là qu'on les a perdus. Oh là oui! Là on a la team AG2R la mondiale et là on a les maillots jaunes. Bonne chance les mecs. Oh putain! Ta mère la... Mais fais pas ça derrière un moteur, t'es con toi! Putain!